pari réussi pour Pierre Lavoie. Encore cette année, des milliers de Québécois ont enfilé leurs espadrilles pour la 9e édition de la Grande Marche. On a un record de villes qui organisent des marches. Ça, c'est la bonne nouvelle parce que donc on a des marches de proximité. On fait marcher tous les citoyens au Québec. Ça, c'est une bonne nouvelle. Plus d'une centaine de marches ont eu lieu à travers la province, en commençant par celle de vendredi soir à Saguenay, suivie de la Grande Marche de Québec samedi matin. L'événement organisé en collaboration avec la Fédération des omnipraticiens s'est conclu dans la métropole dimanche, en partant de la place des festivals. L'activité physique, c'est un des piliers de la thérapie. C'est beaucoup plus efficace que beaucoup de médicaments et c'est important. Donc, il faut toujours le rappeler, il faut toujours le prescrire et on pense qu'il y a un certain engouement. Force est de constater qu'en 2023, les Québécois sont de plus en plus nombreux à s'engager à faire de l'activité physique. C'est indispensable pour la santé mentale, surtout. Pour la santé, c'est super important pour se garder en forme, jeune, puis bien du plaisir. On a remarqué, nous autres, les médecins de famille, que les gens qui ont bougé pendant la pandémie, qui ont fait des sports à l'extérieur, ils étaient plus heureux. En tout cas, ils étaient moins malheureux que les autres. Et la santé physique est une préoccupation pour la santé publique. C'est une des plus belles épidémies qu'on devrait faire, d'avoir un Québec en santé, des jeunes, des personnes, toute la couche de la société qui bouge pour finir, en fin de compte, avec une qualité de vie qui est extraordinaire. Un pas de plus vers la promotion des saines habitudes de vie et du plaisir de bouger. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Montréal.